Voilà. Et ben, donc j'ai mis une licence en 2003 pour prendre la communication avec femmes. Alors, le seul, c'était en communication avec des femmes qui me suivent depuis le début. Et j'ai même vu qu'on doute un petit peu de moi. Donc, alors, j'ai reçu des messages de Sony Music. Ils m'ont dit de ne pas afficher mon contrat. Donc, je me suis arrangé pour que lorsque je vous l'ai mis là, bien, que vous ne puissiez pas comprendre ce qui m'a fait, tout simplement. Alors, donc, voici le contrat. Alors, c'est le contrat qui m'a été envoyé par Adobe PDF. Donc, comme j'ai une imprimante, eh bien, je l'ai imprimé. Je l'ai lu. J'ai lu le terme du contrat. Ça m'a convenu. C'était déjà signé par le président directeur général. Donc, moi, je n'ai fait qu'apposer ma signature, que j'ai évidemment dû cacher, pour ne pas que vous puissiez voir ma signature. Et puis, je l'ai scanné et j'ai envoyé mon cours Sony. Donc, ils ont ma signature, mon vrai nom et tout. Et puis, c'est comme ça que je me suis engagé à Sony. Alors, j'ai mis le numéro là, ici, là, ici. Donc, je ne monte pas le bas, c'est pas exprès, c'est pour ne pas que l'on puisse que pour que Sony puisse voir, mais que je n'ai pas affiché, qu'il puisse me faire confiance. Voici. Une référence avec l'idée. Sony Entertainment France, 52 rue du Château-d'Eau, 75 000, 09, Paris, 2e arrondissement. Il y a le numéro de serrure, donc 1742 057 603 0, il y a même le numéro de téléphone. Donc voilà. 01 57 07 45 00. Alors, donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon numéro de téléphone, et puis j'ai appelé Sony. J'ai appelé Sony pour expliquer, effectivement, bien, que j'ai été en contact par Internet. Il y a les réseaux sociaux ou avec une personne qui disait qu'elle parlait français. Et puis j'ai transmis le numéro d'identification de Pacific Science 3003, donc moi, à la personne à l'accueil qui va faire transmettre mon dossier au service juridique de Sony. Et c'est eux qui vont me confirmer que je travaille bien à Sony ou pas. Donc moi, pour rassurer les femmes, j'ai fait cette vidéo pour qu'ils voient que j'ai mon contrat. Ils m'ont dit de ne pas l'afficher, donc c'est pour ça que vous voyez que vous ne pouvez pas comprendre ce qui est marqué dessus. Je ne vous dis pas ce qui est marqué dessus. Je n'ai pas le droit parce que c'est une question professionnelle. Mais je vous montre pour que vous puissiez être plus rassuré, que vous puissiez commencer à prendre confiance. Donc effectivement, vous pensez, il y en a qui disent que c'est une arnaque, que je me suis fait arnaquer. Alors je trouve bizarre qu'on me contacte en janvier, que l'on me parle régulièrement, et puis pour finalement me donner une arnaque. Je ne vois pas quel intérêt une personne aurait d'arnaquer un artiste vrai qui a déjà ses fans, qui a déjà son public, qui l'attend, et je vois pas l'intérêt d'une personne de m'arnaquer. Donc si effectivement je suis arnaqué, ce qui va se passer, c'est que je vais rester dans ma chambre. De toute façon, je ne travaille pas. Là, je vis du RSA, de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, je ne travaille pas. Donc si vous voyez que quand le temps passe, eh bien, que Pacific Sans s'en est encore dans sa chambre, c'est que c'est un fou. Sinon, eh bien, quand vous allez voir que je change de décor, que je voyage et que je passe un petit peu partout, comme vous avez constaté, que ça n'était pas une arnaque. Pour moi, c'est pas une arnaque. Je fais la vidéo, c'est juste pour que vous puissiez être rassuré. Parce que j'ai bien compris que, de toute façon, si je ne travaille pas à Sony, je ne travaille pas à Universal, et que je suis déjà mon public, je n'y peux rien. Comme je suis une personne croyante et que j'ai confiance en Dieu, que je travaille dans une maison de disques ou pas, j'ai confiance en Dieu. Donc, pour ma vérité, pour moi, que je travaille à Sony ou pas, ça ne change pas votre opinion. Je sais que ça va changer, mais le regard des fans envers moi. Les gens, quand ils sauront que je veux que je travaille à Sony, je vais passer plus de temps, je le saurai bien. Mais ça veut dire que ce qui va changer de mon contrat de Sony, c'est le regard du public envers moi. Parce que comme le public a confiance en Sony, plus en Pacific Sound 33, ils auront confiance que Pacific Sound 33 est digne de confiance des acheteurs. Ça, je le sais, mais au point de vue personnel, que je travaille à Sony ou pas, je vous l'avais dit, moi, ça ne change pas grand-chose.